Regarde, il y a plein de grumeaux dedans. Non, non, non. De la peau de lait, Burk. De la soupe, c'est pas un petit déjeuner, ça. Quoi? Mishka, tu ne sais absolument pas ce qu'un enfant doit manger. Et ton porridge est plein de grumeaux. Je vais chez les voisins. Car eux, au moins, ils ont toujours des choses délicieuses à se mettre sous la dent. Ça n'a pas de goût. C'est pas assez sucré. C'est dégoûtant. Il n'y a absolument rien à manger ici. À plus tard. C'est le début d'une belle journée et j'ai faim de sucreries. Burk, c'est trop acide. Pouah, trop amer. Non merci. Non, mais c'est impossible à manger, ce truc. Aha! Je vous surprends en plein repas. Je t'ai trouvé. Non, ça ne vaut même pas la peine d'essayer. Où est passée ma petite chérie? Où se cache ma petite Rosie? Je trouve que ça a un goût de... gomme. Vous avez plein de bonnes choses à manger cachées quelque part. En cherchant bien, je suis sûre qu'on va trouver. C'est l'heure de manger!
dirait que c'est périmé. Tu ne le vois pas? Oh! Qu'est-ce que c'est? Ça sent tellement bon! Chouette, du porridge! C'est exactement ce qu'il me fallait! Délicieux porridge! Avec plein de bons grumeaux. Le jour des confitures. Mishka! Regarde ce que j'arrive à faire. Et hop! Bon! Tu as vu ça? Doucement. C'est bon. Il manque quelque chose. Peut-être un peu de sel. Bon. Mishka, regarde. Je suis astronaute. Allô, ici la fusée, tout fonctionne, on a décollé. Oula. Ça va, mes oreilles sont OK. Attends, laisse-moi t'aider. Thank you.
toi. Tiens. Vas-y, goûte. Mishka, il faut d'abord me donner à manger. Oui.
bouffe bien, c'est important. Tous les jours, se brosser les dents. Enfant, vous pourrez me croire. La morale de cette histoire, c'est qu'il est très important. Voilà. De tous les jours, brosser ses dents. Ah, coucou, je suis venue prendre mon petit déjeuner. La vie, c'est pas du gâteau. Hein? Le hockey. Rendez-vous à 6h. D'accord, je te laisse, je vais faire un petit tour. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai quoi? Encyclopédie médicale. Retenir son souffle pendant 5 minutes. Il faut que je retienne ma respiration. Génial. Ça y est, c'est parti. En fait, ça n'a pas marché. Souffler dans un ballon. Cette fois, ça marche pas non plus. Boire de l'eau dans une position inconfortable. Dans la vie, il paraît, quand on a le hockey, c'est parce qu'on pense à vous, c'est gentil malgré tout. Qui que tu sois, je t'en prie, ne pense plus à moi. J'en ai marre de couiner comme ça. Mais pourquoi ce truc étrange d'où vient-il? Et pour s'en débarrasser, pas facile. Je crois qu'il ne veut pas, mais c'est tranquille. Lui faire peur. On a beau m'effrayer,
faire me secouer, m'empêcher de respirer ou boire des litres entiers. Rien n'y fait et en plus, maintenant je vois autour les autres couiner à leur tour. Mais pourquoi ce truc étrange, d'où vient-il? Et pour s'en débarrasser, pas facile. Je crois qu'il ne veut pas me laisser tranquille. Génial, toi aussi. Tu as le hockey maintenant. Arrête, Mishka, ça suffit. Respire. C'est bientôt, alors n'oublie pas. Tu n'oublieras pas mes cadeaux, au moins. Si tu oublies, pas de problème, je te le rappellerai. C'est dans 180 jours. Tu n'as pas oublié mon anniversaire. J'ai fait une liste. Ce sont tous les cadeaux que tu vas m'offrir. Mes cadeaux, Mishka. N'oublie pas. J'essaie de patienter. Ce doux refrain.
précieux dont il faut profiter. Un instant merveilleux quand il est partagé. Découvrir ses beaux cadeaux et chanter ensemble à nouveau. Joyeux anniversaire. Tu n'as pas oublié, tu te souviens, hein? Anniversaire. Demain, c'est demain. Le plus beau, c'est maintenant le moment des cadeaux. Mais où ils sont? Comment ont-ils pu oublier mon anniversaire? Ah, j'ai compris. Ils m'attendent tous chez Mishka. Et me voilà. Oublié. Hé, les garçons, vous n'avez pas oublié? Comment ont-ils pu oublier une telle journée? Je n'arrive pas à y croire. Personne ne s'en est souvenu. Oups. Oh non, 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 non. Et c'est comme ça tous les jours. Marozzi.
passer ma grande Rosie. Oh, je verrai bien ça demain matin. Quelque chose. Restez là et jouez calmement. J'ai des courses à faire. Ma petite Rosie, coucou. Mon petit bébé, s'il te plaît, reviens. Vous n'auriez pas vu ma petite Rosie chérie? Ça va lui plaire. Elle va rentrer en courant. Oh,
Encore une fois, il n'y a personne pour jouer avec moi. Je m'ennuie. Qu'est-ce qu'il fait à courir partout? Bon, il attend quelqu'un. Qui ça peut être? Oh! Longtemps. T'as fait un bon voyage? Avons-nous été présentés? Oh, quel si joli prénom! Tu peux m'appeler Mademoiselle Macha. À droite et à gauche. Attention, ça va peut-être un peu secouer. Bienvenue dans notre maison. Oh.
devenus des vrais amis. On a super bien joué ensemble. J'aurais aimé que ça dure plus. Vive la reine! Mais qui nous fait l'honneur de sa présence? Vous? Impossible! Êtes-vous le roi? Vraiment? Oh mince alors! Ce n'est pas un accueil digne d'un roi! Il n'est pas convenable qu'un roi arrive sans un comité d'accueil! Votre magique majesté, je vous prie de repartir, puis de revenir, d'accord? C'est notre ours. Acceptez que je vous conduise à son humble demeure. Et... Il ne me semble pas très convenable qu'un roi se promène de la sorte. Pas convenable qu'un roi s'abaisse à ramasser des fraises. Ce n'est pas convenable, non, pas du tout. Il n'est pas convenable qu'un roi répare des voitures. Mais enfin, ce n'est pas ce que doivent faire les rois. Convenable qu'un roi salue ainsi un ours. Les rois ne sont pas censés faire la vaisselle, voyons. Et ce n'est pas à eux de ranger le bazar. Écoutez ce que je vous dis. Mais enfin, vous n'y songez pas. Est-ce bien approprié qu'un roi aille à la pêche et risque des piqûres de moustiques? En vacances, moi, roi Lion le Troisième, durant ma royale absence, remets temporairement la couronne à la reine Mariana 101e. C'est moi? Je suis la reine? Oh! Oh, oh! Il faut que je m'occupe vite de mon royaume! Oh! Qu'une reine utilise ses pieds. J'exige une voiture royale. Une voiture royale. À la reine. Oh! À mon palais! Il n'est pas convenable qu'une reine ait une telle maison. Hé, mes gens! Il me faut un nouveau palais.
gâteau vous oblige, vous y arrivez. Bien, vous allez me préparer un festin digne d'une reine. Vous pensez aux arbustes, volières et fontaines. Je dois vérifier si tout cela correspond aux standards royaux. Mal. Voilà qui est convenable. Et ceci, j'aime vraiment beaucoup, du grand art. Ce qui est bon pour la reine est bon pour son peuple. Oh, je suis sublimement majestueuse, si magnifiquement impériale. Nous sommes prêtes pour notre royal repas. Hey! Que vous arrive-t-il? Enfin! Que quelqu'un me serve! Vous devez obéir à votre reine! Quand j'étais au coin, et en fait, il n'est pas convenable qu'une reine maltraite son peuple ainsi. Un quartet amélioré. Ha ha ha!
impossible! C'est ça que vous appelez du classique? Que vous changiez un peu votre style et ce serait absolument fabuleux. De votre inspiration. Et suivez mes indications professionnelles. Le soleil se cache derrière un nuage gris. Même les oiseaux préfèrent s'en aller. La musique n'est plus qu'un cri si les amis n'arrivent même pas à s'accorder. Si les musiciens Mishka, regarde ça, je l'ai
trouvé juste devant chez toi. Oh. Oh. On dirait qu'il aime vraiment la musique. Oh. Le royaume des animaux. Généralement, la femelle pond un ou deux œufs, verts ou blancs. Il faut le couver. Mishka, occupe-toi bien de ce petit œuf. Et fais attention de ne pas le casser, je compte sur toi. Moi, je vais me promener par-ci par-là. D'accord? Ne mange pas ça. Non, les bananes, c'est pas bon non plus. Quoi? Tu vas lui donner du poisson? Mishka, il reviendra nous voir. Hum.
que je viens encore de trouver devant chez toi. Tiens, tiens, tiens! Mais où sont donc passés tous les dessins animés? Je dois absolument résoudre ce mystère. Si tu veux mener l'enquête, il n'y a rien de plus bête. Il suffit de cliquer là et de dire Macha et Mishka. C'est simple comme ça.